Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Bois Kouassi à Série Fixe. Je suis là aujourd'hui pour faire une petite vidéo, pour vous parler de certaines choses comme d'habitude. J'espère que chez vous ça va bien. Chez moi ça va parfaitement bien. Tout va très, 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 très bien. Alors aujourd'hui je suis en télétravail à la maison tranquille, mais je travaille quand même. Là je suis en pause. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pendant ma pause. Alexandre Kofi, bonjour, comment ça va la famille? Bonjour à tous ceux et celles qui se connectent et merci à tous ceux qui partagent la vidéo automatiquement, par principe, parce que pour beaucoup, ils savent qu'on ne raconte pas des bêtises ici. Donc merci à tous ceux qui partagent, qui font voyager la vidéo. Vous faites partie du combat comme ça en fait, parce que surtout si vous êtes en colonie, voire c'est difficile pour vous de pouvoir parler, dénoncer, dire des choses. Donc, par rapport à ça, vous pouvez au moins partager les vidéos. Voilà. Lucie Brindou, ma frangine chérie, ma couso, ma cousine chérie de l'indigné, Diablin, comment tu vas? Bisous à toi depuis ta position. Ouais, ça, je sais que je peux compter sur toi. Alexandre Kofi, ah ok, tu vas bien, merci. Alors, j'espère que ça va bien chez vous. Moi, chez moi, ça va très bien. Je me frotte les mains comme ça parce que, si vous avez remarqué, quand je fais les vidéos, puis je commence par me frotter les mains comme ça, c'est parce que je vais vraiment être un peu dur avec certaines personnes. Voilà. Alex Follet, comment ça va la famille? Oui, le peuple, il y va à son seul sort, mais à un moment donné, il faut que le peuple commence à comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, on va vous expliquer certaines choses. Mon Ichéblisson, ma chérie Coco, ma louloute adorée, comment tu vas? Depuis ta position, je te salue. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, vous avez vu l'intitulé de ma vidéo. Merci encore à ceux qui partagent. Où j'ai interpellé les politiciens en général, c'est-à-dire que pouvoir comme opposition. Et puis j'ai interpellé aussi les religieux. Parce que dans ce qui nous arrive là, on va être clair aujourd'hui, hein, dans ce qui nous arrive là, actuellement, nous en tant qu'Africains, en tant que peuple, population africaine, là, les religieux, là, musulmans comme chrétiens et tous ceux qui sont dedans, ils sont responsables aussi. Ah, ils sont responsables même à un très haut niveau. Parce que devant les injustices, devant tout ce qui se passe de mauvais, devant le viol des constitutions, devant tout ce qui se passe qui est mauvais, les gars, leurs bouches sont fermées. Les gars, leurs bouches sont fermées. Parce que comme ils ont institué une façon de faire les choses depuis très longtemps, tout ce qui est religieux, là, ils ne payent pas impôts. Vous savez ça, non? Ils ne payent pas impôts, ils ne payent pas taxes. Dans les églises, dans les trucs, tout ça, à mosquée, ils ne payent pas impôts, ils ne payent pas taxes. Donc ça veut dire que forcément, ils sont de connivence avec les gouvernants. Depuis le Moyen-Âge, depuis l'avant-avant, depuis avant-avant, les religieux et puis les gouvernants, là, ils ont toujours été comme ça. De répéter, je dis, depuis la nuit des temps, les religieux et les gouvernants ont toujours été comme ça. Je connais bien, par exemple, l'histoire de France. Regardez dans l'histoire de France, allez faire des recherches. Il faut vous informer. Tous les rois, c'est les religieux qui les baptisent, qui les consacrent. Et ils sont assis ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble. Même politique, ils font ça ensemble. Et je vais vous apprendre une chose. Le premier service d'espionnage qui a existé dans ce monde de l'humanité, le premier service d'espionnage qui a existé depuis la création de l'homme, c'est les religieux qui l'ont inventé. Avec ce qu'on appelle la confession. Dans les années d'avant, avant, au temps des Duguesclin, au temps des Charlemagne, au temps des Clovis, au temps de tous ces gens-là, en France en particulier. C'était déjà interdit d'avoir la Bible pour certains. On tuait des gens pour ça, parce qu'il fallait pas qu'ils aient la connaissance. Et puis pour d'autres,
On leur disait simplement que oui, Dieu dit que quand on met l'autorité. Vous n'avez jamais entendu que oui, c'est Dieu qui donne l'autorité. C'est Dieu qui met les gens au poste de l'autorité. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi même d'ailleurs c'est Dieu qui va mettre quelqu'un au poste d'autorité et puis des gens vont venir s'asseoir pour dire oui, lui là, si le pouvoir c'est que c'est Dieu qui veut et c'est comme ça, c'est Dieu qui a décidé. Vous ne pouvez pas vous dire que Dieu là, il n'est pas d'accord avec ce qui se passe là, mais comme le bon Dieu en griffe, il ne se mêle pas de nos affaires d'être humain là, il n'a pas ce temps-là. Donc, il laisse les peuples soulever qui ils veulent pour déposer là. Ou bien il laisse les peuples accepter qui ils veulent pour qui va rester là, qui va les massacrer, qui va les torturer, qui va faire tout. C'est le peuple lui-même qui accepte. C'est pas Dieu. Soit le peuple, il soulève quelqu'un parce que cette personne-là, ils ont eu le temps de la questionner, ils ont eu le temps de la regarder, ils ont eu le temps de l'étudier, ils ont eu le temps de comprendre, de voir que cette personne-là veut défendre leur intérêt et maintenant ils le met au pouvoir et ils sont contents du travail qu'il fait pour eux. Soit le peuple est assis là et puis il regarde un tyran en train de les maltraiter et puis ils sont assis là et puis il regarde le tyran là avec son petit groupe là en train de les maltraiter. Mais eux, le peuple qui sont des millions et des millions là, ils sont là, amen, alléluia, c'est pas grave. Dieu a dit de se taire, de ne rien dire. On n'a qu'à respecter l'autorité. Bah, il paye pas d'impôts. On est amusant. Il paye pas d'impôts. Renseigne-toi. Voilà pourquoi le business des églises, là, ça fonctionne beaucoup. Voilà pourquoi les gars, là, ils sont prêtres, ils sont pasteurs, d'après eux. Ils sont les secrétaires du bon Dieu ou bien ils sont les adjoints du bon Dieu. Mais ils ont peur de dire la vérité devant un individu qui est président, bien qui est je sais pas quoi. Ils ont peur de dire la vérité. Eux qui sont oints, qui sont protégés, qui ont l'absolution, qui ont tous les trucs de Dieu sur eux, là. Ils ont peur de dire la vérité aux gens quand ils déconnent. Ils n'osent pas, parce que tout ça, c'est du business derrière. Les imams, c'est pareil. À moins ça où, comment ça va? Je vais très bien. C'est un business. À un moment donné, là, ça suffit. Les gens ont trop été blousés. Les gens ont trop été, mais on dirait des enfants, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu t'assois, puis je cause avec des gens, hein, ils me disent, Joe, est-ce que tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est que pendant toutes ces années-là, moi, on m'a pris pour un idiot, quoi. Le lion, comment ça va? C'est vrai, hein? Des gens, des intellectuels aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui leur fait mal, c'est que depuis des années, ils étaient assis là, puis ils ont cru à tout ce que les gens leur racontaient. Là. Ils ont cru à ça bêtement. Ils se disent, mais comment j'ai pu? Mais comment. Et puis ça les ronge. Non, 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 c'est fini ça. Je fais cette vidéo-là aussi en soutien à Ousmane Sonko et à tous mes frères sénégalais du Sénégal qui souffrent actuellement de la dictature. Parce que les gens parlent beaucoup là. Ouais, le Sénégal, c'est une démocratie. Démocratie, mon cul, oui. C'est une belle dictature depuis les années d'indépendance jusqu'à maintenant, c'est toujours la même dictature. Il faut être d'accord avec le colon. Le colon te dirige, il te guide, il te dit tout ce que tu dois faire. Et puis maintenant, les pauvres petits qui vont venir parler pour dire quelque chose parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le colon, eux, on va les assassiner. Eux, on va les emprisonner. Eux, on va les massacrer. Sous prétexte qu'on est sous une démocratie. Quelle démocratie? Congo a fait une vidéo hier qui était excellente, où il a dénoncé, il a dit clairement de quelle démocratie on parle au Sénégal. C'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Comme Ousmane Sonko a dit, le Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais justement, lui, maintenant, aujourd'hui, il doit se rendre compte que c'est comme la Côte d'Ivoire. Edith Lago, gros bisous à toi, puis ta position. Je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi, et puis les enfants, tout le monde, la famille va bien. C'est là maintenant qu'il commence à se rendre compte, peut-être Ousmane, aujourd'hui, où il est couché à l'hôpital, là, où sa vie est en danger, que c'est comme la Côte d'Ivoire. Sauf que, comme Gbagbo, au lieu de recevoir contrairement à Gbagbo, plutôt, au lieu de recevoir des missiles son visage, dans sa maison, mais ils l'ont soulevé, puis ils ont versé un liquide sur lui, bizarre, qui l'a rendu maintenant presque mourant.
Mais la finalité, c'est quoi? C'est de faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec le colon. Parce qu'il faut parler de finalité. Quand les gens font des actions, là, ne vous attardez pas sur l'apparence des choses. Il faut vous attarder sur le résultat. Ah, ok, super. Il y a mieux mot. C'est pareil qu'en Côte d'Ivoire, c'est pareil qu'au Togo, c'est pareil qu'au Bénin, c'est pareil qu'au Cameroun, c'est pareil qu'au Niger, c'est pareil qu'au Tchad. On est dans le même bateau, c'est le même système, c'est la même chose. Et tous ces gars-là qui sont au pouvoir, le colon leur permet d'avoir des hommes, des militaires, des ce qu'on appelle forces de l'ordre, pour pouvoir faire le sale boulot à la place du colon lui-même. Parce que ces gens que vous appelez forces de l'ordre, des machins, ceci, cela, en fait, ils ne font pas le boulot du peuple. Ils ne font pas le boulot du peuple. Du préfet qui a reçu les ordres du colon. Vous pensez qu'au Sénégal, là, c'est Macky Sall qui fait que oui, les militaires là, sont sortis pour aller attraper Macky Sall, aller attraper Sonko. Non. Les gars savent que si Sonko se présente aux élections avec son plan d'action, avec sa vision, avec ses idées, avec son courage, avec sa force, son intelligence et sa volonté de travailler pour le peuple sénégalais, eh bien, le colon va perdre beaucoup de choses au Sénégal. Parce qu'il va faire en sorte, monsieur Sonko, que les Sénégalais s'approprient d'abord tous les business dont ils ont droit sur leur propre terre, d'abord. Voilà ce que le colon ne veut pas. Donc, par rapport à ça, il va faire la même chose comme en histoire. Quand certaines personnes poursuivaient leurs propres frères pour les attraper, pour aller les vendre dans les bateaux, pour les envoyer en esclavage, eh bien, ces gens-là, ils ont fait des enfants. Qui sont aujourd'hui, on les appelle président ou bien je ne sais pas quoi, et qui font le même système, la même chose, mais sauf que cette fois-ci, ils ont des gardes armés, des gens qui se mettent avec des casques, avec des masques à gaz, qui se mettent avec des armes en main, et puis qui se rendent compte des foules qui sont aux mains nues, des véhicules blindés, et puis ils s'appellent force de l'ordre, et puis ils sont fiers, ils se croient forts, devant des gens qui n'ont que des cailloux pour se défendre. Mettez les cœurs, au lieu de dire que la vidéo se coupe, mettez les cœurs et les pouces. Je vous ai dit, on n'est pas là pour toujours réagir par rapport aux gens. Maintenant, à un moment donné, faut anticiper. Il faut mettre les cœurs, il faut mettre les pouces à gogo, en pagaille. Il y en a marre maintenant qu'on soit là toujours en train de se laisser faire. Et les gens coupent nos vidéos tranquillement comme ils le veulent parce qu'on est là, on les regarde. C'est la seule chose qu'on vous demande. À un moment donné, là, on doit avoir quand même un amour propre et puis un sens de réaction. On ne demande pas de prendre fusil pour être tiré sur quelqu'un. Non, nous, là, c'est nos pouces seulement sur nos petites vidéos qu'on parle. Quand les gens veulent couper nos vidéos là, montrez-leur qu'ils ne peuvent pas couper la vidéo là. Zoukou Malagui, mon frère, comment tu vas? Oui, je vais bien, je vais bien. Excuse-moi, je t'ai pris de court. Oui, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je t'écoute, je t'écoute, je suis vraiment peiné, je suis vraiment peiné, je suis vraiment peiné. Oui, Donc, il n'y a pas de c'est. problème, on partage ton indignation, je suis peiné. Mais c'est-à-dire que c'est comme si on nous a tellement lobotomisés. Je parle des peuples africains, Oui. du Sénégal au, de Guinée au. De Mali, eux, ils sont quittés dedans. Les Maliens, ils sont quittés dedans. Les Guinéens aussi, d'ailleurs. Même les Burkinabés sont quittés dedans. Eux, ils sont quittés dedans. Eux, leur population, un matin, ils sont sortis. Ils sont quittés dedans. Ils sont plus dedans. Donc, eux, ça ne les concerne pas. Parce qu'eux, ils agissent actuellement. Et ils montrent, et ils nous montrent que vraiment, les gars peuvent rien contre eux. Ils ont beau bavarder, faire tout. Ils ont effrayé les gens pendant une soixantaine d'années qui va faire. GPS Sindou, bonjour mon frère.
Ils ont effrayé les gens hein, pendant une soixantaine d'années avec leur petit contingent militaire là, en pensant que s'ils sortent, ils vont tuer toute la population. Mais aujourd'hui, je vous parle, le colon ne peut pas faire la guerre avec quelqu'un en Afrique actuellement. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il ne peut pas. Il va commencer peut-être, hein, il va peut-être faire beaucoup de dégâts, mais ça va s'arrêter là. Il ne pourra plus parce qu'il n'a plus les moyens de faire ça. Tout ce que vous voyez là, c'est du. Comment on appelle ça? On appelle ça comme quand tu étais bas, tu enlèves ta chemise là, pour montrer tes clatisses. Et puis maintenant, faire des grands écarts pour effrayer l'adversaire. On appelle ça trafic. Ce que vous voyez là, c'est trafic, les gars font. Ils envoient des gars. Ouais, on est là, on est venu mettre une force interne, ici, c'est là, on est venu déposer. Tout ça, c'est trafic. Les gars n'ont plus de. C'est-à-dire, quand il n'y a plus de place pour convaincre quelqu'un, pour expliquer, pour dire des mots, pour expliquer aux gens que c'est nécessaire de faire ceci, de faire cela, quand ils ne peuvent plus, là, c'est les armes, maintenant, ils viennent mettre, les militaires, maintenant, ils viennent mettre pour effrayer les gens. C'est les militaires maintenant qui viennent déposer pour effrayer les gens. Voilà pourquoi les gars, ils vont vous montrer quand il y a défilé les forces spéciales. Et puis les gars marchent. Les gars marchent. Force spéciale. Force spéciale là. Monsieur Ouattara, il n'a pas dit qu'il supporte autant. Pourquoi il n'a pas envoyé ses forces spéciales en Ukraine pour aller finir les Russes s'ils sont trop forts? En soutien. En soutien. Puisqu'il soutient, il est d'accord. Pourquoi il n'envoie pas aussi lui sa part? Des forces spéciales là-bas pour aller se battre contre les gars. Ils n'ont qu'à arrêter de nous prendre pour des cons. Il y en a marre. Ils n'ont qu'à arrêter pour nous prendre pour des imbéciles, ces gens-là. À un moment donné, ça suffit. Et c'est toujours le même processus. C'est toujours le même procédé. C'est toujours la même chose. Et on voit ça devant nous. Et puis nous, là, on est là et on dort. Et surtout, il y a des abrutis pour suivre des gens comme ça. Et je dis des abrutis parce que. Finalement, quand tu regardes la vie de ces abrutis-là, elle n'est pas mieux que ceux qui sont dans l'opposition, mais qui sont trucs. Hein. Ils subissent les mêmes désidérata. Ton enfant est malade à 2 h du matin, mon ami, tu vas l'envoyer au CHU. Ou bien si tu as un peu d'argent, tu vas l'envoyer dans une clinique de la place, si tu as un peu d'argent. Sinon, c'est au même CHU, là, où l'opposant s'en va envoyer son enfant, où le paysan s'en va envoyer son enfant, où le fonctionnaire s'en va, où tout le monde s'en va envoyer son enfant. C'est là-bas que tu vas aller. Mais maintenant, lui que tu suis bêtement là, lui va prendre l'avion évacuation sanitaire et puis ça va s'asseoir dans les meilleurs hôpitaux du monde pour être traité, pour être soigné. Et toi, bête idiot que tu es, tu vas trouver ça normal que ton président. Ou bien ton chef, ou bien ton maire, ou bien ton guide religieux, ou bien ton comment ben ça, ton leader politique, c'est normal que lui, il aille se promener ailleurs pour se soigner. Et toi, comme un idiot, tu vas aller maintenant dans le mouroir du pays où le gars lui-même, il voit, hein, mais il ne s'occupe pas de ça parce que ce n'est pas son problème. Il sait qu'il n'ira jamais là-bas. Est-ce que vous voyez pourquoi il dit idiot, bête? Et toi, tu suis des gens comme ça. Oh mon leader, oh mon chef, oh mon président, oh c'est lui, je peux mourir, donner ma poitrine pour lui. Mais c'est comme ça que les gars nous ont depuis le début. Les gars, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Hein. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci pour tous ceux qui mettent les cœurs, qui sont dans le combat actuellement. Parce que ça fait partie du combat. Ceux qui appuient, 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 mettent les cœurs. Ça fait partie du combat. Merci beaucoup. Vous avez compris quelque chose. Vous n'allez plus vous laisser faire. Sur vidéo, là, on ne va plus pouvoir couper ou bien nous déranger. Parce que vous êtes au combat. Vous avez au moins votre petit droit que vous faites. Vous pouvez faire ça. Mon ne t'inquiète même pas. On s'en va là-bas comme ça. Quand je parle de guides religieux, religieux et tout ça, ils sont dans le même panier, là, avec les politiciens. Ils sont dans le même panier avec les politiciens. Je vous le dis aujourd'hui, celui qui n'est pas content là, il n'a qu'à sauter, caler en l'air, puis mordre ses fesses. On va voir s'il est fort vraiment. On va voir vraiment si c'est le cousin de Dieu ou bien le secrétaire du bon Dieu. Celui, guide religieux qui n'est pas content, je dis ce que j'ai dit là. Il n'a qu'à sauter, caler en l'air, puis mordre ses fesses, et puis on va voir en vidéo. À un moment donné, arrêtez de vous foutre des gens.
Regardez au Mali, Doumbia Fakoli, un monsieur qui n'est pas musulman, qui est animiste, qui défend son intégrité et sa culture africaine. Des guides religieux, seulement se plaignent que lui, il n'est pas dans la fête des Allah. Donc, il a blasphémé, on doit le mettre en prison. Si ce n'est pas c'est diabolique. C'est vrai, vous les réalisez. C'est des démons, ces gens-là. C'est des démons. Parce qu'ils font le travail du mal. Comment toi, tu peux supprimer la liberté de quelqu'un, la santé? Tu peux mettre la santé de quelqu'un en prison, ce n'est pas de l'amusement. Parce que lui, il ne croit pas au même Dieu que toi. Parce que lui, il n'a pas les mêmes croyances que toi. Il n'a pas cette liberté-là de ne pas être d'accord avec votre façon de faire. Donc, vous, au nom de Allah, vous allez aller dire au gouvernement de l'attraper et puis de le mettre en prison. Et vous, maintenant, vous êtes là, oui, Dieu, oh Dieu, on est en carême, on jeûne, on a fait le jeûne, on a fait Tabaski, on a fait, oh, Allah Akbar, quoi, je ne sais pas quoi, là, Mohamed Rasoul, il est miséricordieux, bien quoi. Vous allez dire des choses comme ça dans vos bouches, dans les sermons à la mosquée, mais dans vos actes-là, vous êtes en train de faire ce que le démon veut que. C'est-à-dire que vous faites le travail du démon même, des démons. Quand il a blasphémé, c'est vous qui allez défendre aujourd'hui le tout-puissant, le créateur. C'est vous, l'être humain, là, qui allez défendre le créateur. Dès l'individu qui ne croit pas ou bien qui n'a pas envie de croire, même s'il raconte n'importe quoi, c'est vous, les êtres humains, qui allez défendre l'intégrité du créateur. Mais vous êtes gonflés. C'est que votre créateur n'est pas aussi grand que ça. Hein. Il n'est pas aussi fort que ça. Et c'est pitoyable quand on voit ça. Et ça casse même le grand travail que des Africains dignes sont en train de faire au Mali. Des Africains, le peuple malien, aujourd'hui, on les regarde avec admiration. On dit, voilà des gars, aujourd'hui, ils sont en train de... Ils sont sortis même du joug du colon. Ils sont sortis dedans en toute dignité. Le frère Bois Kouassi. Oui, mon frère. Excuse-moi de t'interrompre un peu. Je vois que c'est le moment propice. Et j'avais fait une capture là, dans laquelle tu parlais de ça. Et tu disais qu'il faut faire attention au Mali, attention à la dérive islamiste. Tu vois? Oui. Donc, oui. Il faut t'appeler. Je vais retélécharger et puis t'envoyer ça. Tu vas republier ça sur ta page. Parce que le contexte là me semble propice à la rediffusion de ça. Donc, après, tu vois? Tu me rappelles parce que c'est d'actualité, quoi. Ça, dans le contexte actuel, c'est mieux de. Tu me fais signe si j'ai le temps, je vais retélécharger, t'envoyer en inbox, tu vas reposter sur ta page. Exactement. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce sujet? Oui, mais je crois que c'est ça. C'est pour réitérer ce que tu avais dit. Tu mettais en garde. Sur ma page, je crois qu'il y a un mois et demi de cela, tu disais de faire attention qu'il ne faut pas que les attitudes de certains musulmans là viennent un peu entraver le travail de Goïta. Tu parlais de ça, que voilà, c'est cette façon de Allah, tu disais que non, l'État ne marche pas sur des bases religieuses. Un État, il marche sur des tests fondateurs, sur la Constitution. Sur la Constitution et sur l'intérêt suprême de la population, qu'ils soient musulmans ou pas. Qu'ils soient musulmans ou pas, que l'extrémisme là, que ce n'est pas ça qui encouragerait les gens à adhérer même à leur religion. Le fait de vilipender quelqu'un parce qu'il a des prises de position, parce qu'il a l'air de se démarquer du Coran, c'est ce que tu disais. Et que tu as, à la fin, tu dis, si vous n'y prenez garde, vous allez détruire ce que Assimi. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés pour défendre les intérêts du Mali. Ils ont mis leur vie en péril pour faire ça. Et vous, pour des considérations religieuses, vous allez mettre en péril leur travail. Tu as dit s'ils ne font pas attention, ils vont gâcher le travail de Goïta. Ils vont gâter leur révolution là, quelqu'un va attendez, vous souvenez pas vraiment, merci beaucoup mon frère.
Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo où ils ont failli égorger Assimi Goïta? Oui, je me rappelle. J'étais à la mosquée. C'était où? À la mosquée. C'était à la mosquée où Allah est supposé protéger les gens, où on est supposé ne pas rentrer avec des armes, où on est supposé ne pas aller assassiner quelqu'un. Au contraire, là-bas, là, on doit faire vraiment l'amour, le partage. Mais c'est dans une mosquée qu'un imbécile s'est levé avec un couteau pour essayer d'égorger Assimi Goïta qui est en train de prier. Oui. Ça ne vous fait pas réfléchir. Ôtez pas toi, Rosamond. Gros bisous à toi puis ta position, ma chérie. Ça ne vous fait pas réfléchir. Oui. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, là, au début, quand Assimi Goïta et ses gars ont pris le pouvoir, là, vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé? Oui. Et si le gars avait réussi? Et si le gars avait réussi à égorger Assimi Goïta, le Mali serait où aujourd'hui? Dans les mains des mêmes colons encore? Et puis, le Mali serait dans les mains des mêmes colons encore? J'ai envie d'apporter un petit grain de sel. Vas-y. Moi, je souhaiterais que les Africains comprennent que faut pas surestimer le rôle de la religion dans l'avancée d'un pays. À mon avis, quoi. La religion, c'est bien. Chacun va où son âme se sent bien pour avoir, je ne sais pas, un enseignement qui lui permet de faire face à la vie. Bon, c'est bon. Mais il faut éviter de surestimer le rôle de la religion dans la trajectoire des pays. Voilà. Parce que pour moi, il s'agit de quoi? Il faut maîtriser la science pour avoir les moyens de transformer ce que la nature vous donne. Il faut maîtriser la connaissance scientifique. C'est ça. L'Inde, la Chine, le Brésil, ils se sont libérés à partir du moment où ils ont eu des gens assez formés pour transformer ce que la nature leur offre. Et même quand vous avez des gens assez formés, même quand la nature n'offre pas grand-chose, ils arrivent à trouver des solutions. Et même pour vous qui aimez la Bible et qui êtes accroché à la Bible, mais il y a un passage même dans votre Bible qui dit, où Dieu est supposé dire, j'ai créé l'homme de peu inférieur aux anges. Alors que les anges, on les voit comme des gens dotés de super pouvoirs. Et Dieu dit, j'ai créé l'homme de peu inférieur aux anges. Donc, allô? Capacité à comprendre la nature et à transformer. Et Oufo même disait que quand nos petits-enfants vont transformer... Attends, mon frère, excuse-moi. On a été coupé pendant au moins 15 secondes. Les gars essaient de couper la vidéo. Je montre aux gens, aux 20 personnes qui sont là. Vous avez vu, non? Oui. Vous avez vu, non? On est là, on est en train de faire une vidéo où on dit des choses claires. On dit simplement, mettez les pouces et les cœurs. C'est ça seulement qui peut empêcher la vidéo d'être coupée. À un moment donné, on est fatigué, on a mis un peu, bon, c'est bon, on est fatigué, c'est bon, on écoute, mais on ne fait rien. Demain, quand on va lui couper la vidéo, ou bien quand c'est le même comportement qu'on a maintenant sur nos propres terres, là, devant des gens, devant qui nous sommes des millions, eux, ils sont des centaines, et c'est eux qui nous maîtrisent par rapport à eux, leur détermination. C'est-à-dire que si 10 méchants sont solidaires devant 100 gentils, les 100 gentils là seront des moutons des 10 méchants là, pendant des siècles. Ouais. Est-ce que vous avez compris? Parce que les 100 gentils vont rester là, et puis les 10 méchants vont faire ce qui... C'est exactement ce qui se passe en Afrique. C'est exactement notre maladie là. C'est ça là. C'est ça. Parce que ça ne te touche pas directement, ça ne te concerne pas, idiot que tu es. Le jour où ça va te concerner, maintenant tu vas pleurer parce que les autres frères aussi te regardent, ils sont devenus idiots comme toi. Ils te regardent parce que ce n'est pas eux aussi leur problème, c'est toi seul ton problème. Voilà pourquoi on dit dans la merde. Voilà pourquoi les gens ne nous respectent jamais. Parce qu'on est incapable d'être solidaires. Aujourd'hui là, j'ai mal au cœur, je suis énervé, je crie parce que ce qui se passe au Sénégal, nos frères sénégalais qui sont en train de souffrir actuellement, qui cherchent la liberté, Sonko qui se fait arroser d'un produit chimique et sa vie en danger, il est couché à l'hôpital. Il peut mourir d'un moment à l'autre. Ça va détruire tout l'élan de toute une jeunesse qui voulait se libérer. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on s'en fout. Au Togo, on s'en fout. Au Mali, on s'en fout. Dans tous les deux, on s'en fout. Ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre problème.
c'est les Sénégalais là-bas. Maintenant, quand ils vont se débrouiller, comme nos frères maliens ont fait, aujourd'hui, ils sont dignes. Qui peut parler sur le Bali? Qui peut parler sur le Bali aujourd'hui? Qui peut... Moi, t'as quand même qui était fâché parce qu'ils ont attrapé 49 soldats. Là. Parce que... Et puis, il a dit, je les bloque là. Ouattara, il est brave tien, il a force spéciale, non? Il a tout ce que plus l'armée française, même, ils étaient là aussi, non? Pourquoi ils ne sont pas partis au Mali aller les chercher? Pourquoi ils ne sont pas allés les chercher? Parce que les Maliens sont prêts aujourd'hui. Ils ne se laissent plus faire, c'est fini ça. Quand ils disent personne ne vole au-dessus de notre territoire, personne ne vole, avant-hier, les Américains ont sorti communiquer. Ah, on s'inquiète parce que les Maliens ont acheté un nouveau radar. Où vraiment, c'est avec des missiles à guidage laser, ils peuvent descendre n'importe quoi qui vole au-dessus de leur truc. Ah, c'est inquiétant. Ah bon? Ah bon, c'est inquiétant? C'est bien normal. C'est inquiétant. Hein. Ce qui est normal pour eux, pour nous, Africains, c'est inquiétant. Ce que je voudrais souhaiter à tous nos frères, ceux qui sont là, qui nous suivent, si vous le pouvez, essayez de mettre la photo de Sonko en photo de profil. C'est symbolique, c'est ce que vous pouvez faire pour indiquer qu'on le soutient. Merci. Chacun fait sa petite part. Merci. Voilà. Merci. Parce que même moi, à la fin de cette vidéo, c'est ce que je vais faire. En soutien à Sonko et au peuple sénégalais, je vais mettre la photo de profil de Sonko pendant une semaine. Je vais le faire. Il est temps maintenant qu'on change nos comportements. On est toujours en train d'attendre, regarder ce qui se passe, les miracles que Dieu va faire pour quelqu'un. Et c'est à partir maintenant d'Imler a dit, ah oui, c'est vrai, Dieu existe. Or, nous-mêmes, là, c'est nous-mêmes les premiers concernés. Oui, ça, on en a souvent parlé. Moi, j'ai toujours dit que c'est vrai, chacun a sa façon de concevoir Dieu. Mais arrivé un moment, il faut changer notre conception de Dieu. Ce Dieu qui est là, Dieu de justice qui vient au secours de la veuve et de l'orphelin, mais ça ne marche pas toujours dans la vraie vie. Parce que moi, qu'est-ce que je me dis? Je ne cherche pas à blasphémer, mais regardez notre histoire. Combien de siècles d'esclavage? Les spécialistes nous disent 400 ans. Ouais. Dieu n'avait pas sauvé. Il voyait bien ce qui s'est passé. Après l'esclavage, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la colonisation. Combien de siècles de colonisation? Avant la colonisation, il y avait l'esclavage encore. Ce qu'on appelle travail forcé. Tu as oublié? On oublie ça souvent. Hein? Travail forcé, là. Ce qu'on appelait travail forcé, là, c'était quoi? C'était l'esclavage? Oui, c'est ça. C'était l'esclavage? Ils ont appelé ça, j'ai pas. L'esclavage devant nous, mais ils ont appelé ça avec un autre nom. Travail forcé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a eu l'esclavage d'abord, après la colonisation, et comme tu le dis, à l'intérieur de la colonisation, il y a eu encore la résurgence hein. Voilà. Et après la colonisation, il y a la néocolonisation qui est la France-Afrique. Oui. Bon, tout ce parcours-là, on va dire que le Dieu défenseur des opprimés, il n'agit pas. Parce qu'il ne peut pas l'être. C'est la même race noire qui subit. Hein. C'est la même race noire qui subit. Donc, toujours. À un moment-là, Dieu de miséricorde, là, Dieu qui défend la veuve et l'orphelin, Dieu de justice, mais il ne peut pas intervenir un peu un jour? Bon, moi, je ne vous dis pas que Dieu n'existe pas, non. Mais notre compréhension, là, on dit que si tu es devant une situation et que la situation ne change pas, toi, il faut changer. Parce que entre toi et la situation, quelque chose doit changer. Si la situation ne change pas, toi, change ta compréhension. Voilà, parce que si tu ne changes pas, la situation ne change pas et ton approche ne change pas, mais la situation va perdurer. Si tu ne peux pas changer la situation, au moins change ta façon de voir la situation. Ça peut t'aider à changer la situation. Tout ça, là, c'est des notions de changement. Donc, nous, il faut qu'on comprenne que introduire des concepts religieux dans un combat politique, si vous ne faites pas attention, ça va vous égarer pendant longtemps avant que vous ne vous réveilliez. C'est une question. Mais moi-même, personnellement, aujourd'hui, là, je suis arrivé à un stade où, tous les politiciens qui parlent à la fête de Dieu, là, ils m'énervent. Tous les politiciens qui, ouais, Dieu va faire, et Dieu, ils m'énervent en même temps. Ils m'énervent, mais à un point, tu ne peux pas comprendre.
Dieu a fait quoi? Parce que c'est ça. Regardez les peuples qui ont pu se réveiller. Brésil, Inde, Chine. Bon, Chine, même on ne parle plus tellement pour eux là. C'est tellement patent. Ils On sont parle prêts. plus. Ils sont prêts. Parlons de Brésil, Inde et tout, tout, tout. Mais observez ces peuples-là. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont investi dans la formation, formation, formation. Il faut avoir des cadres qui ont la connaissance pour transformer la nature. Ils ont investi dans la formation. Et puis ensuite, ils ont maîtrisé la science. Comment regarder Mais attends, avant que tu continues, excuse-moi de te couper. Excuse-moi, Oui, pardon, vraiment. vas-y, Je veux vas-y, revenir. vas-y. Formation, oui. Les Chinois, ils ont insisté sur la formation. Les Indiens, formation, oui. Tous ces gens, la formation. Mais formation comment? Est-ce que c'est formation pour copier les États-Unis, copier la France, ou bien formation par rapport à chez eux, là, ce qu'ils ont là, par rapport à leur culture, là, ce qui les arrange là. Oui. Et Parce que c'est comme ça tu aussi. dis. Nous, on a des écoles qui forment des abrutis. On a des écoles qui forment des. Quand je dis abrutis, c'est-à-dire des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui agissent comme le colon lui-même. Voilà ce que nous, on a dans notre formation scolaire, là. Depuis l'indépendance, depuis la nuit des temps qu'on a commencé à mettre école dans Côte d'Ivoire, on a une formation scolaire qui forme des individus qui vont sortir là pour réfléchir comme le colon. La preuve, aujourd'hui, on a des intellos qui sont assis là et qui vont te dire que oui, tous ceux qui font le combat panafricain, c'est des imbéciles. Ils vont se dire que tous ceux qui ne s'habillent pas comme les Blancs, ou bien qui ne pensent pas comme les Blancs, mais qui ne choquent pas quand ils parlent, ou bien truc, c'est des villageois. Ils vont te dire que tous ceux qui ne font pas, c'est-à-dire que tous ceux qui copient bêtement ce que le Blanc, lui, il a fait intelligemment dans sa culture, c'est les gens qui sont bien. Mais tous ceux qui veulent s'approprier la culture africaine par rapport à ce qu'ils sont dans la. Et puis en plus, c'est dans la. Il n'y a pas plus véridique et véritable et véritable. Je ne sais pas que ça. Je suis africain. Je ne suis pas un Chinois, je ne suis pas un Blanc, je suis pas un. Je suis un Africain puissant. Pourquoi je vais. Oui. Ma façon de réfléchir là, je vais faire en sorte que ma façon de faire mes maisons, ma façon de faire, de manger, tout ça là, ça doit venir de chez le Blanc. Alors que tout pousse chez moi. J'ai tout chez moi. Et en plus, je vais m'asseoir pour être d'accord. C'est-à-dire que j'avale, j'assimile, je suis d'accord que. Moi qui plante mon cacao, moi qui plante mon café, c'est à Londres, les gens là qui consomment, ils vont dire le prix. Et puis moi maintenant, je vais prendre ça au prix qu'eux, ils ont décidé. Et je trouve ça normal. Je suis assis là, puis je suis content, j'ai ri. Et puis j'attends chaque année, oui, cette année-là, ça sera 1 300 les kilos. Et puis on est content entre nous. Et bien, vous avez vu un peu ce que le système éducatif fait comme Oui. abruti. Toi-même, Oui. tu as ta chose. Le gars rentre dans ta maison et puis il te dit non, ce que tu as fabriqué, là, moi, tu fais ton restaurant. T'es fatigué pour aller acheter ta viande, ton poisson, ton truc, tu fais ton foutou, ton sauce graine, tu veux vendre. Tu t'es fatigué depuis le matin, 5 heures, tu es dehors en train de faire tes trucs. Lui vient à midi, donne-moi 2 pains de foutou, sauce tout ça. Ouais. Donne-moi un peu de sauce pour finir mon plakali, mon foutou là. Donne-moi un peu de foutou pour finir ma sauce. Et puis il finit maintenant, quand il a fini tout ça, son jeu là. Il a mangé 3 plats lui seul. Et puis il te dit que lui, il a l'argent. Bon, je regarde ce que j'ai dans mon portefeuille. Ah, bon, tiens, 50 francs, débrouille-toi avec ça. Et puis toi, tu dis, oui, d'accord, j'ai compris, hein, c'est bien. Hein. Et ben, c'est ce que nous faisons depuis au feu Boigny, là. Nos cafés et puis le cacao, les deux cultures maudites, c'est ce que nous faisons. Et puis on se blague. Ouais, Côte d'Ivoire ressemble à Petit Paris, le plateau. Hein, et puis on est fiers. Alors que l'argent. Que nous avons gagné le café cacao là. On pouvait être comme la Corée aujourd'hui. Oui. L'Afrique est le seul continent qui ne fixe pas le prix de ce qu'il produit. C'est quoi Et puis, tu as bien fait de faire ce petit développement-là. Quand on parlait de la formation, tu as bien fait pour signaler que non seulement il faut former, mais il ne faut pas former des gens qui vont reproduire la mentalité européenne, reproduire le système. Effectivement, c'est important. Non seulement on forme, mais et tout ça là aussi, ça fait partie de la formation. Il faut assigner. Tu finis de former la jeunesse et puis tu leur donnes la mission. L'enseignement qu'ils ont reçu là, l'objectif que ça doit atteindre, tu leur donnes ça. Tu as bien fait d'ajouter ça. Tout ça là, ça C'est ça? fait partie de la formation. Voilà. Vous formez les enfants, vous leur faites comprendre qu'ils doivent renverser la tendance, ils doivent réhabiliter
l'honneur de la nation. Tout ça fait partie de la formation. Et Et encore, là, et oui, encore. je vais embrayer et vous dire que la Chine, là, que tout le monde a maintenant accepté comme le leader mondial sur le plan économique, la Chine, que tout le monde reconnaît comme leader et même leader technologique, mais malgré la posture de leader, là, mais ils prennent des dispositions pour ne pas se laisser gagner par l'influence occidentale. Sur leur territoire, Internet est contrôlé, TikTok est contrôlé, on ne fait pas n'importe quoi. Mais posons-nous la question. Déjà, ils sont leaders de la 5G. Déjà, ils ont fait leurs preuves. Mais n'empêche qu'ils prennent les précautions Mais bien sûr. pour ne pas se laisser gagner par le virus occidental, parce qu'ils ont compris. Sous prétexte des ONG, sous prétexte des droits de l'homme, les gens vont introduire le virus de la contestation. Non! Tout ça fait partie de la formation. Mais tu es un ingénieur chinois, mais toi-même là, on ne va pas te parler à deux reprises. Tu es conscient que tu ne dois pas collaborer avec les scientifiques étrangers pour leur donner la première. Toi-même, tu es au courant si on t'attrape là. Ils Avec connaissent, divulguer des secrets technologiques ils connaissent. à l'avantage d'un concurrent non chinois, toi-même, tu es Oh. au courant. Tu es au courant? Voilà, le fait. Si, voilà, continue, continue. Mais attends, est-ce que y a... Aujourd'hui, je vous pose la question à vous qui êtes sur cette vidéo. Je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu des vidéos où on filme nos enfants dans les écoles primaires, dans les villages là? Est-ce que vous avez déjà vu les vidéos où on filme les enfants puis on leur dit, faut répéter. La machette est tranchante. Et puis l'enfant va dire, la machette est bleue. Il va dire des mots qui ne correspondent pas au français. Et puis les gars filment pour se moquer des enfants. Pour dire que les enfants, c'est des petits villageois. Ces enfants sont bêtes. Ces enfants sont stupides. Ils ne sont pas capables de répéter un mot en français. Alors que les enfants, ça peut être des petits baoulés, des petits sénoufos, des petits guérés, Oui. des petits agnis, des petits gens qui, quand je dis des petits, c'est-à-dire des enfants qui sont hanis, qui ne parlent pas le français, mais qui peuvent Oui. réfléchir en baoulé, en hani, en bété, en djoula, en quoi, qui peuvent réfléchir et puis même fabriquer des frigos, des climatiseurs, ils peuvent fabriquer des choses, mais dans la réflexion de leur langue, pourquoi on n'apprend pas aux enfants à réfléchir dans leur langue depuis le départ? D'abord, le processus de la réflexion par rapport à nos besoins immédiats. Pourquoi on n'apprend pas ça à nos enfants dans leur langue? On doit apprendre ça en français d'abord. Maintenant, quand tu parles bien le français, là, on dit oui, ah, tu es choco. Mais tu es bête comme deux pieds parce que tu ne sais pas réfléchir. Tu ne sais que parler le français. C'est comme ça qu'on voit beaucoup d'intellectuels qui apprennent par cœur même. Ils vont à l'école, ils ont des diplômes, mais ils sont incapables d'une réflexion sensée par rapport aux besoins de l'Afrique, là. Les gars sont incapables de. Pour eux, c'est impossible de réfléchir comme ça. Parce que lui, quand il réfléchit, il voit l'intérêt du colon d'abord. Pour lui, c'est Oui. normal que le colon mange bouffe sur nous. Et il faut attendre, non, peut-être dans 60 ans, on va faire doucement, doucement, et puis c'est dans 60 ans, on pourra changer les choses. Voilà comment les gars sont paramétrés. Il ne peut pas se dire que maintenant et tout de suite, là, il y a des enfants de quelqu'un. Parce que comme toi, tes enfants sont en France, ou bien tes enfants sont en Angleterre, ou bien tes enfants sont dans un coin, ou bien tes enfants sont dans l'école privée, dans une bonne école, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas les enfants des autres là qui ont besoin du changement maintenant. Donc toi, tu peux te permettre de dire que dans 60 ans, parce que dans 60 ans, ton enfant qui a été en Angleterre, là, il va revenir ici, comme c'est ton parti politique au pouvoir, il sera placé, lui, sa vie sera chic, mais la vie des autres, Oui. là, ça n'urge pas. Le changement, là, on n'a pas besoin de se dépêcher de changer les choses. Hein? Ça, c'est surtout nos frères du PDCI là qui pensent comme ça. Non, doucement, on va faire les choses doucement, on va faire les choses doucement. Et puis Ah, après, les enfants des autres qui ne sont pas PDCI là, qui n'ont pas les mêmes opportunités que vous là. Eux, l'urgence, ce n'est pas important pour eux, hein, que les choses changent. Donc, ils vont venir nous envoyer demain quelqu'un qui vient. Oui, moi je viens parce qu'on doit s'entendre avec le colon, on doit s'entendre avec le reste du monde, parce qu'il faut faire doucement, parce que si on fait vite là, les gars vont nous tuer, les gars vont nous mettre en prison, les gars vont nous fatiguer. Ah bon? Et les enfants des autres qui meurent tous les jours, femmes qui meurent en couche, en plein village, mais dans les campements là-bas, on les compte? Qui les connaît? On s'en fout?
On ne les connaît pas. Ce n'est pas ta famille, c'est pas tout. On s'en fout, mais il y a des êtres humains qui meurent dans un pays au 21e siècle, 2023. D'autres personnes meurent, mais comme toi, ça ne te concerne pas, tu t'en fous. Et demain, ils s'apprêtent actuellement dans leur chapelle politique pour venir blaguer les gens pour dire qu'après Ouattara, ça sera nous. Oh, oh, mais les gens, vraiment, ils nous prennent pour des cons. Ah, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Mais le frère Boakwa, si tu peux me rappeler le titre de la vidéo, comme ça, à titre indicatif. Le titre de la vidéo, non, si je clique dessus, est-ce que ça a sorti? Non, c'est, quelqu'un va te faire bon. Ça. Il faut demander aux gens qui regardent, là, ils peuvent épingler ça pour remettre. Mais j'ai dit, je crois, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit là? Les frères qui nous suivent là, si vous pouvez... Non, j'ai dit, je crois, je m'en souviens, tous les politiciens, les religieux, qui ne sont pas capables de défendre la vérité et la justice, on doit les mettre dans la poubelle. On ne doit même pas les écouter. Même. On ne doit même pas les écouter aujourd'hui où on est. Parce que les Africains, j'ai l'impression qu'ils ne sont même pas au parfum ou bien au courant du changement mondial qui est en train de se faire là. Les gars ne sont même pas conscients de ça. Hein. Parce que aujourd'hui, je vous parle, à l'heure où je vous parle, il y a un monsieur qui s'appelle Vladimir Poutine, avec un monsieur qui s'appelle Xi Jinping. Les deux individus là, ils sont assis à Moscou aujourd'hui, en train de signer, en train de bien verrouiller comment le monde va fonctionner l'année prochaine. Ils sont en train de mettre ça, caler ça bien propre. Ils ont fait brouillon jusqu'à maintenant. Maintenant, ils sont en train de mettre ça au propre. Les deux là, ils sont assis là-bas. Ils sont en train de mettre ça au propre. Si vous ne me croyez pas, allez regarder encore les informations, vous allez voir. Ou bien allez sur Google, chercher où se trouve le président chinois aujourd'hui où je vous parle à l'heure. Allez, vous allez voir où il se trouve. Maintenant, ce qu'ils font, nous, on vous dit, on n'est pas assis avec eux là-bas, hein, mais par rapport à nos observations, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde, au mouvement de géopolitique, par rapport à tout ce qui s'est passé là, on s'est assis et puis on a déduit que les deux là, ils sont en train de s'organiser pour créer un nouveau pôle mondial, comme je vous l'ai dit depuis longtemps. Depuis au moins 3 ans, je vous dis, il y a un nouveau pôle mondial qui va s'organiser, qui va se mettre en place. Maintenant, le plus faible, là, celui qui veut être défendu là, il va aller là-bas intelligemment pour être défendu par des gens qui sont forts. Pour ceux qui suivent mes vidéos là, est-ce que vous vous souvenez de ça? Ça fait au moins 3 ans que je parle de ça. Hein? Il n'y avait pas encore guerre en Ukraine, il n'y avait pas de truc. C'était juste avant le Covid. J'ai dit, les gens... Aujourd'hui, là, le monde va changer. Et puis, j'ai dit encore à l'époque, c'est pas par... Je ne suis pas là pour dire, oui, je suis devin, ou bien je suis prophète, ou bien j'ai des visions prophétiques. Non, non, non. Je vous ai donné le processus. Observation. C'est scientifique. C'est une démarche scientifique. On observe. On écoute, on regarde. On observe. La fourmi qui se promène, on regarde le chemin qu'elle a pris aujourd'hui. Demain, on vient s'asseoir, regarde à la même heure. Le chemin qu'elle va prendre. On regarde encore. Et puis maintenant, on finit par faire une déduction après notre observation. Et quand on a fini de faire notre observation, on a notre déduction. Là. On dit, ah, moi, je vois que apparemment, la Chine, là, ils sont en train de devenir puissants économiquement. Les gars, ils ont beaucoup d'argent. C'est eux qui prêtent le plus aux États-Unis et tout ça. Là. Mais maintenant, le seul truc qui peut les fatiguer, c'est l'armée. S'ils ne sont pas forts militairement, ah là, ils risquent d'avoir des problèmes. Et puis, je vois maintenant que les Chinois, ils sortent des derniers porte-avions. Ils sortent des missiles maintenant qui peuvent détruire des satellites. Ils sortent maintenant des missiles qui peuvent hypersoniques. Les Russes aussi font pareil. Tout ça dit, oh, les gars, ils sont en train de se prêter militairement. Si ça prête militairement, c'est pour défendre une cause bien précise. Demain, si jamais on veut les emmerder, les gars sont prêts. Donc, par rapport à ça, quand on voit que maintenant, États-Unis se fâchent contre qui même dans le monde là, contre un pays quelconque, ils sont fâchés, sanctions. On va sanctionner. On vous donne plus ça, ou bien vous voyagez plus. Les gars, Poutine assis là, puis il entend, il voit. Xi Jinping assis là, puis il entend, il voit. Ah, bon, donc les gars, là, ils sont pas d'accord avec eux. Ils les empêchent de voyager, ils les empêchent de commercer. Ah, d'accord. Poutine, mon frère, viens. En prévision de ces gars-là qui se prennent pour les gendarmes du monde, on n'a qu'à faire aussi notre monde. Pourquoi pas? On a la force, on a l'argent, on a tout ce qu'il faut. D'accord, mais qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des camarades, des alliés. D'accord, on va aller chercher des alliés. Je vous parle. De réflexion intellectuelle sans que j'ai fait Harvard. Je n'ai pas été à Harvard, je n'ai pas été à la Sorbonne. Moi, je suis petit avec ma petite licence en communication, c'est tout, mais je suis intelligent.
Vous comprenez, non? Donc, les gars, ils s'asseyent et puis ils disent, on n'a qu'à prévoir. On va faire notre petit monde aussi à nous. On va faire notre petite monnaie. On va faire notre petit système bancaire. On va faire notre système d'échange. On va faire notre armée parallèle où on sera en communication et tout ça. On va échanger les informations pour que si les gars, là, maintenant, ils veulent tomber sur nous, là, nous, on tombe sur eux aussi. Comme ça, eux, là, ils ne respectent que les menaces. Ils ne respectent que ceux qui sont forts. Donc là, on va se respecter et puis chacun aura son monde et chacun va évoluer dans son monde. Si ça doit aller comme ça, ça va se passer comme ça, mais nous, là, on ne sera jamais esclaves de quelqu'un. C'est fini. Les gars, c'est ce qu'ils sont en train de signer définitivement aujourd'hui, là, à Moscou. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Le tandem Chine-Russie s'annonce très redoutable. Le tandem Chine-Russie. Parce que l'association des deux, là, c'est presque une bombe. Pourquoi j'ai dit ça? La Russie, côté armement, je crois que mondialement, ils sont en tête. Les numéro un mondial. Numéro un mondial, ce n'est pas discours. Maintenant, la c'est Chine, la première puissance nucléaire. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, la Chine, c'est vrai. On parle de la Chine en termes de l'usine du monde et quoi, quoi, quoi. Mais ils ont le petit côté diplomatique, là. Les Chinois sont présents dans presque tous les pays. Présent. Et puis côté commercial, c'est-à-dire les relations commerciales ont fait qu'ils ont des contacts un peu avec tous les pays du monde. Même en Afrique, là, il y a pratiquement plus de pays où il n'y a pas de la présence de quelques Chinois. Donc, si tu veux, en termes de collecte d'informations, ils sont présents partout. Donc, l'association de ces deux-là, un qui a la capacité de dissuasion et l'autre qui a les capacités commerciales qui sont en contact, ils sont présents partout dans le monde. Et puis les Chinois, là, ils parlent presque toutes les langues. Hein. Vous n'avez pas remarqué, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, il parle bien français. Tu vas voir, l'ambassadeur de Chine, quelque part dans un autre pays là-bas, il va bien parler la langue. Ils vont même parler. C'est des gens qui sont rusés, c'est des fourmis qui s'introduisent partout. Donc, l'association de ces deux-là, vraiment, c'est une bombe. Il n'y a pas que ça. Maintenant, on a parlé maintenant de façon brute de la Chine et de la Russie. Mais maintenant, on va bien expliquer maintenant comment ça fonctionne même. Quand tu fabriques quelque chose, quand tu fabriques quelque chose, c'est dans quel but? C'est dans le but de vendre. Ouais. C'est ça, non? Oui. OK. Moi, aujourd'hui, je fabrique des chaises. Et puis, je fabrique, par exemple, 10 chaises. Ouais. Et puis maintenant, mes clients qui sont devant moi là-bas, à qui je veux vendre mes 10 chaises, il y a un client là-bas, lui, dans sa famille, ils sont deux. Il y a un autre client là-bas, dans sa famille, ils sont cinq. Et puis, il y a un autre dans sa famille là-bas, ils sont 50. À ton avis, à qui je vais vendre les chaises? Là où il y a la j'ai la chance de vendre toutes mes chaises. Là où il y a les 50, parce que dans ce moment, ils vont prendre et ils vont te faire d'autres commandes. OK. Chine, c'est 1,5 milliard. Inde, de personnes, hein, consommateurs. Inde, l'Inde, 1,5 milliard aussi de consommateurs. OK? C'est beaucoup, hein, Indien. La Russie et la Chine même, c'est ça, ça fait 2 milliards. Parce que j'ai oublié de... La Russie et la Chine collées les deux, ça fait 2 milliards de personnes. L'Inde, 1,5 milliard de personnes. L'Afrique, 1,5 milliard de personnes. L'Amérique du Sud, pareil. Oui. Mais les BRICS, c'est quoi? Les BRICS, quand on parle de BRICS, là, on dit Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Vous ne savez pas, vous ne pas réfléchir de l'axe que je viens de vous donner pour vendre le matériel, pour vendre les choses, le commerce, les banques, la circulation de l'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Or, avant, il y a 20 ans en arrière, c'est les Américains qui avaient tout ça. Mais aujourd'hui, là, tout est mélangé. Nyarami, les Russes et les Chinois décident d'aller partout faire la même chose. Et ils ont créé maintenant leur pôle économique et financier et bancaire pour que n'importe qui dans le monde qui a envie de collaborer avec eux, va avec eux sans que personne ne les dérange. Si jamais les autres veulent les sanctionner, de l'autre côté là-bas, c'est ouvert. Donc, tes sanctions là, c'est dans le vent. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils ont dit aux États-Unis? Parce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, par l'intermédiaire de la Chine encore, a décidé de reprendre les relations diplomatiques avec l'Iran, qui sont des ennemis depuis des siècles. Aujourd'hui, l'Iran est
l'Arabie Saoudite son camarade grâce à la Chine. Et puis maintenant, les Américains se plaignent. Ouais, ouais, ouais. Les Chinois ont dit, les Arabes ont dit, hey, Joe, nous, on discute avec qui on veut. Hein. On n'a pas d'ordre à recevoir de quelqu'un aujourd'hui là. Mais si les Arabes ont eu cœur de dire ça aujourd'hui, alors que l'armée arabe là, des Émirats arabes, là, c'est les États-Unis qui les ont armés. C'est les États-Unis qui leur ont donné les armes en majorité avec la France. Mais s'ils ont cœur aujourd'hui de dire ça, là, c'est qu'ils savent sur quoi ils sont assis. Ils savent sur quoi ils sont assis. Aujourd'hui, ils peuvent parler. C'est ça qu'un homme qui est intelligent. Quelqu'un qui est intelligent, qui est prévoyant, il se met camarade avec son défenseur d'abord, et puis maintenant il parle mal à celui qui le frappait avant. Ouais. C'est comme ça que ça se passe dans la rue. Ouais. En politique, c'est pareil. À ce sujet-là, je vais t'appuyer rapidement par une petite anecdote. Dans le temps, le black market d'Adjamé, dans le temps, il y avait une certaine insécurité là-bas. Il y avait des loubas, des trucs. Donc, il y avait des chances que, après avoir acheté ta marchandise, ta petite Sebago, bien ton 501, tu te fasses agresser, tu te le fasses arracher par un gros bras. Il y avait des gens comme ça, si tu te rappelles bien dans le black. Donc, moi, j'ai un cousin là, il a acheté sa marchandise, une paire de chaussures, et puis bon, il se promène, il voit que depuis quelque temps, il y a deux gros bras qui le suivent. Quand il prend un tournant, il sent que les gens prennent le même tournant. Et puis, il s'est retourné tout doucement. Il sent que les gens ont l'œil sur lui. Donc, il s'est dit que les gens veulent me dévaliser. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il allait comme ça, il s'est senti en danger. Donc, il a aperçu un gros bras un peu plus impressionnant que ces deux-là qui le suivent. Il a foncé sur le gros bras. Il dit, ah, le vieux père, il ne le connaissait même pas. Ah, le vieux père, on dit quoi? Comment ça va? Bon, le gars aussi. Il est surpris. Il a surpris, mais il a surpris. Mais puisque le petit vient faire un peu allégeance avec un respect. Il dit, oui, ça va. Il dit, ah, le vieux père. Ah oui, la dernière fois là, oh, vraiment, tu as été très cool envers moi. Bon, allons, je vais te mettre bien. Et, allez, tu vas prendre un petit garde, un petit truc comme ça. Le vieux était flagué, il allait là. Mais les deux ont fui. Voilà. Les deux qui le suivaient là ont fui. Voilà. Après, quand il a mis le vieux bien, il dit non, le vieux père, excuse-moi, il y a deux gars là, on dirait qu'ils veulent me faire du mal. Le gars, le temps que le vieux regarde où ils sont, ils ont fui. Ils ont mis les dents. Voilà. Donc, il est resté collé au vieux père jusqu'à il est parti prendre son bar et puis il est parti. C'est pas fini. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, quand moi je vois des chefs d'État africains idiots qui pensent que c'est leur esclavagiste, là, c'est leur patron là, qui vont les sauver, qui vont sauver leur peuple et tout ça, alors qu'il y a une opportunité d'avoir un gros bras devant qui va t'aider maintenant à pouvoir vendre tes matières premières à un prix raisonnable, à pouvoir sauver la vie de tes populations, tu vois ça et puis tu ne vas pas là-bas, mais tu restes quand même dans les bras de ceux qui t'ont toujours maltraité, qui sont toujours foutus de toi, c'est que tu es un allemand. Tu es un allemand même. Est-ce qu'il y a un mot même plus fort qu'un allemand? Ou bien tu es un égoïste, un maudia de chez maudia, qui préfère que son peuple souffre. Et puis toi maintenant, les petites miettes que tu as là, puis tu as cortège, tu as voiture blindée, tu as tapis rouge, et puis on siffle trompette devant toi parce qu'il y a un semblant de respect. Si ça te suffit, puis ton peuple souffre, c'est que tu es un maudia, tu es de chez maudia, de tous les maudias. Ah, les Français, ils ont réussi à nous convaincre que vraiment, c'est le pays le plus attachant, on ne peut pas se passer d'eux. Non, vraiment, avec une élite qu'ils ont, c'est ça, on dit vraiment. Quand tu arrives à contaminer la tête, le cerveau, facilement, le cerveau transmet l'information reçue à tout le corps. Mais oui. Donc, l'élite intellectuelle là, a été complètement lobotomisée. Donc, c'est fini. Mais le pire, le drame, c'est quoi? Le pire, c'est quoi? C'est qu'à l'heure où on parle, des jeunes intellectuels sont en train de s'apprêter à faire en sorte que quelqu'un vienne de je ne sais où pour venir remplacer Ouattara pour continuer maintenant dans, parce que comme l'autre là il va venir puis maintenant il y aura la paix, tout le monde sera en paix, il joue sur ça quoi, on sera en paix, on pourra marcher dans le pays maintenant, dire ce qu'on veut, mais est-ce que le système va changer?
J'entends des gens, ouais, telle personne, c'est lui qui va nous sauver. Telle personne, c'est lui qui va nous sauver. Mais est-ce que cette personne est prête à changer le système aujourd'hui? Je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit dans 10 ans. Parce que ceux qui peuvent dire demain, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est ceux qui mangent bien à leur faim aujourd'hui. Mais nos parents de Korogo, de Mande, de Djéronefla, de tous les coins qui crèvent la dalle, eux, ils veulent que ça change aujourd'hui. Vous allez nous parler de quoi? Vous êtes venu nous dire quoi? Vous allez venir nous dire quoi? Que non, il faut vraiment être patient. Vous savez que les choses comme ça, les gens, ils sont trop forts. Donc, mais si vous avez peur de mourir pour vos convictions, mais foutez-nous la paix. Allez faire autre chose. Allez vendre des biscuits, des gâteaux, des trucs comme ça. Mais laissez la politique. Mais c'est, moi, je les attends. Hein. J'ai dit, je suis patient. Je suis là, je les attends. Hein. Et j'ai dit, le premier politicien qui va venir s'asseoir pour dire votez pour moi, qui n'est pas capable de dénoncer les accords coloniaux, de dénoncer la présence de militaires étrangers sur nos terres, de dénoncer cette monnaie de merde qu'on appelle le CFA là, ou pas, il va tenter. Faut même pas, il va tenter. Faut même pas, il va essayer même. Parce que le respect, on ne demande pas pardon pour qu'on te respecte. Hein. Aujourd'hui, où, s'il y avait il y a 20 ans, si c'était il y a 20 ans en arrière, j'aurais dit, là, c'est chaud, hein. Il n'y a personne pour te défendre, Joe. Donc, tu fais ce que tu peux. Mais aujourd'hui, on dit aujourd'hui, Xi Jinping et puis Poutine sont en train de chercher camarades dans l'Afrique. Je répète, Xi Jinping et puis Poutine sont en train de chercher camarades dans l'Afrique. Ouais. Ils sont, c'est eux qui cherchent. C'est eux qui ont besoin de nous-mêmes. Aujourd'hui, pour une fois, on a besoin de nous. On a besoin de notre soutien. C'est là qu'on va venir jouer les Jésus. Non, on te juge sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Non, et il faut pardonner. Non, il faut faire ceci. Mais vous êtes malade. Là, il y a plus bonjour. C'est une occasion en or. Mais, Joe, les fenêtres temporelles comme ça, il n'y en a pas deux. Dans cinq siècles, il n'y en a pas deux. Dans cinq siècles, il n'y en a pas deux. Les fenêtres temporelles comme ça, où tu peux sauter d'un problème pour tomber dans le bonheur. Il n'y a pas deux. C'est un coup. Et puis, quand la fenêtre se ferme, là, c'est fini. Et ce que les gars là veulent faire, le colon actuellement, lui, il est préoccupé. Heureusement qu'en France même, c'est chier. Aujourd'hui, là même, où on parle à l'heure, là, dans 2h43 minutes, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui s'est passé qu'une seule fois dans l'histoire de France. Une seule fois au temps de De Gaulle. Il se pourrait qu'il y ait un truc où l'institution française que vous voyez aujourd'hui, là, à Bana, dans 2h43 minutes, les gens ont voté ça, c'est fini. C'est fini. Si quoi, oh, pardon. La joue est en cours. Quand vous voulez participer, il faut faire une demande. La joue en cours, monsieur Kwadio. Mais à un moment donné, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. On va prendre les Africains pour des idiots jusqu'à quand? Pourtant, on n'est pas des idiots. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ah, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un bon moment. Ah, bien, je suis content de t'entendre. Là. Depuis que je t'écoutais, là, mon cœur, là, je dis, ça chauffe, ça monte comme ça. Je ne sais pas. Ça m'énerve tout ça là. C'est quoi ce pays là? C'est quoi ces Africains qui n'ont pas réfléchi encore dans leur vie quoi? Ah. En tout cas, le micro est ouvert. Merci d'avoir accepté. Faut t'exprimer. Merci. Faut t'exprimer, mon cher. Faut t'exprimer. Ouais. Non mais bon, moi je me bats toujours là par rapport à notre citoyenneté là. Parce que je pense que dans un pays, parce que là, j'étais entendu parler de la sécurité pendant un moment. Voilà. Je pense qu'un pays en sécurité dépend de l'identification et de la domiciliation de tout un chacun. Oui. Mais nous, aujourd'hui, il s'avère que nous sommes tous quand on est à la poste. Alors que quand on regarde bien dans la loi, la poste n'est pas habilitée à donner, à fournir une adresse à un citoyen. Parce que l'adresse que la poste va fournir au citoyen, ce sera une adresse de correspondance. Ce n'est pas une adresse fiscale. Ouais.
Voilà, donc on est tous cantonnés à la poste là-bas. Et avec ça, on dit que bon, on va pouvoir gérer le pays. On ne peut pas gérer le pays avec des gens qui ont des adresses de correspondance. Ça ne se fait pas. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Mais c'est exprès. C'est exprès, mon frère. Ça, voilà, merci d'avoir dit ça. C'est exprès dans l'administration parce que plus l'administration n'est pas bien gérée parce qu'on n'a pas les informations exactes par rapport, même l'identification des maisons et tout ça. C'est exprès parce que ça retarde en fait le développement. Ça retarde le mouvement économique. Ça fait qu'on est assis tout le temps. Au commissariat, par exemple, c'est pas informatisé. Non. À l'entrée du commissariat, quand tu rentres normalement, quand tu rentres dans un commissariat pour une plainte de quoi que ce soit, on doit prendre ta photo, on doit prendre ton empreinte. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un recensement même. Automatiquement, sans que la date arrive. Automatiquement, tu es recensé déjà à la police et ça va dans un fichier national où, quand on va faire les recensements maintenant, quand on passe chez toi pour demander, Joe, il y a les traces de quelqu'un. Voilà, c'est ça. De qui tu es. Et par rapport à ça, on ne peut pas tricher maintenant dans les trucs. On peut pas. Mais si jamais ils ne font pas ça, c'est parce que justement, on peut tricher maintenant n'importe comment dans les élections, dans toutes ces choses-là. Voilà. Alors que moi, je sais très bien que moi, en feuilletant un peu les bouquins, en regardant un peu sur Internet, parce que je m'informe beaucoup. Mm-hmm. Donc, j'ai vu que déjà, on n'est même pas appelé à voter. Déjà. Oui. On n'est pas appelé à voter. On ne peut pas voter. Parce qu'on n'a pas une adresse fiscale. Une adresse de domiciliation, on n'a pas. On a juste une adresse de correspondance. Donc, on n'est pas appelé à voter. Donc, nos présidents même ne nous connaissent pas, déjà. Ouais. Parce que quand on arrive... Parce que moi, ce qui m'a fait tilt depuis il y a presque 10 ans, ce qui m'a fait tilt, c'est que une fois, j'ai eu des problèmes avec une dame ici. Oui. Et puis, je me suis rendu à... Je me suis rendu au commissariat. Et le juge, je devais passer au tribunal. Le juge m'a appelé. Je l'ai croisé dans le couloir parce que je faisais partie d'un petit mouvement ici. Et j'ai été médiateur social pendant 10 ans dans le secteur où je suis. Oui. Et le juge s'est approché vers moi. Il m'a dit, mais écoutez, monsieur, est-ce que vous êtes un électeur potentiel? J'ai dit, ouais. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais est-ce que vous... voter. Vous avez une carte, est-ce que le maire vous connaît, est-ce que vous votez ici? C'est là qu'il m'a expliqué. Il m'a dit, écoutez, si vous n'êtes pas un électeur potentiel, la personne va avoir raison sur vous tout de suite. J'ai dit, ah bon? Et là, quand je suis rentré à la maison, j'ai fait mes recherches. J'ai dit, merde, donc chez nous là-bas, là, on est bête, on est con. Et c'est là j'ai vu que la France même a demandé sa citoyenneté en Italie. Et c'est, il n'y a pas trop longtemps qu'ils ont eu leur citoyenneté. Et là, même dans tous les métros, partout où on passe, c'est marqué la citoyenneté. Nous, on voit ça, mais on ne peut pas le reproduire chez nous. Et c'est ça qui me fait mal, en fait. Parce qu'un pays qui est en sécurité, c'est que tous les gens, tous les habitants qui sont dans ce pays-là sont tous connus au niveau du trésor public, au niveau de la présidence. Tout le monde est connu, de toute façon, comme ici. Et donc, ça fait que quand le pays est en sécurité, quelle est la première personne qui va venir investir dans le pays? C'est les investisseurs. Oui, mais attends, mais les investisseurs, les premiers investisseurs dans un pays, ça doit être qui? C'est les nationaux d'abord. C'est les nationaux. C'est la priorité aux nationaux. Maintenant, si les nationaux ne peuvent pas, maintenant, les autres peuvent venir. On fait appel aux banques qui peuvent prêter aux nationaux. C'est ça. Regarde les grandes puissances. Attends, il y a une hiérarchie. Si les banques ne peuvent pas prêter aux nationaux, c'est-à-dire, c'est quel genre de banque? Parce que souvent, on saute les étapes, les trucs. C'est quel genre de banque? Dans ton propre pays, une banque qui ne peut pas prêter à tes nationaux pour investir, ça veut dire que cette banque-là, ce n'est pas la banque du pays. Mais c'est parce qu'on n'est pas des véritables électeurs de nos candidats respectifs. On n'est pas des citoyens.
normale de notre pays. C'est tout. On n'a pas cette identité-là. Ce que je vois, généralement, nos vidéos abordent plusieurs aspects en même temps parce que les problèmes de l'Afrique sont complexés à différents niveaux. Oui. Bon, concernant ce que le frère vient de dire, au niveau de l'adresse géographique, qui est mieux que l'adresse de correspondance, bon, je voudrais apporter une petite information. Au niveau de l'État, ils ont commencé à faire l'adressage des maisons, identifier les maisons, leur donner des numéros et tout. Et puis, autant de bédiers, au moment où Tidjam Thiam, je crois, était, je ne sais pas si c'est ministre du plan là, ils avaient commencé un processus d'adressage des rues. Voilà, adresser toutes les rues qui, à terme, devaient aboutir à la numérotation de chaque maison, un truc de ce genre-là. Bon, je reviens à ce que tu as dit, c'est vraiment important pour la traçabilité. Voilà. Oui. Souvent, on ne perçoit pas. Tu fais bien de le dire, le frère qui vient de nous prendre, tu fais bien de le dire. On n'a pas l'air de comprendre le bien fondé de cette chose-là. Ah non, on n'a pas, on peut pas comprendre. Un exemple simple. Tu convoques quelqu'un au commissariat, puisqu'il n'est pas localisable. Il ne vient pas à la convocation. Il n'y a pas de moyen de faire pression sur lui. Mais non. Il n'a pas d'adresse. C'est ça. On ne sait pas où il est. C'est ça. Donc, voilà, je te laisse continuer. Mais vraiment, bravo d'avoir attiré notre attention là-dessus. Voilà. Parce que donc, l'État, État est obligé d'avoir une bonne base de données. C'est-à-dire, voilà, l'État même là, bon, on peut prendre ça comme ça. L'État, c'est sa base de données. Quand il n'y a pas de base de données, c'est comme si l'État devient virtuel. Voilà. Donc, je te laisse continuer. OK. Et donc là, moi, je vois que le développement d'un pays, déjà, doit se baser sur, déjà, donner la citoyenneté à tout le monde, parce qu'on ne naît pas citoyen, on devient citoyen. Donc, puisqu'on devient citoyen, on a des devoirs civiques à mettre en place. On a un respect du bien public, on a un respect même de soi-même, et on devient même gardien de notre nation. Si on devient des citoyens réels, des vrais citoyens, comme je le dis. Parce que quand on arrive en France ici, la France nous met dans un canal où au bout on devient citoyen. Et avant de devenir citoyen, c'est lorsqu'il t'a attribué ta carte de lecteur. C'est le dernier kata qui te donne pour te dire oui, tu es citoyen maintenant et tu peux voter. Mais nous, chez nous, tout le monde se lève pour dire oui, je m'en vais voter. Mais tu habites où? Tout le monde peut venir voter chez nous. Donc, il n'y a rien qui est cadré, il n'y a rien qui est ciblé, il n'y a rien. Et avec ça, on veut évoluer. Un pays émergent doit émerger avec des citoyens, de vrais citoyens. Et à partir de là, on va pouvoir avancer et mettre les choses en place. Avec tout ce que nous sommes en train de raconter, on va pouvoir les mettre en place. Mais le frère, excuse-moi de te couper pour la précision. Donc, pour que je comprenne bien, parce que tu as fait sortir un élément que moi-même, je ne percevais pas. Tu parles de citoyenneté. Oui. Donc, qu'est-ce qui définit la citoyenneté? Tu as parlé de la détention d'une carte d'électeur, c'est ça? Donc, ce qui c'est un dernier kata en fait. C'est-à-dire quand on a fini de faire. C'est la fin du processus. On a fini. Bon, je t'explique. Quand on a fini. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas tout eu la Côte d'Ivoire. Parce que je suis né là-bas. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'adresse fiscale. On est tous cantonnés à la poste, comme j'ai dit au départ. Voilà. Alors que la poste, elle n'est pas habilitée à donner une adresse fiscale à un citoyen. Si la poste donne une adresse, ça veut dire que tu as un sans domicile fixe. D'accord. Donc, c'est là-bas, tu vas souscrire un service avec la poste et tu vas aller chercher ton courrier à la poste. Oui, alors que si tu avais une adresse fiscale, c'est la poste qui allait employer du monde pour t'acheminer ton courrier chez toi à la maison. Oui, je suis d'accord. Voilà, et là, c'est différent. Donc, la poste devient une société qui va embaucher des chômeurs. Oui, il n'y a pas de problème. Mais je veux que pour la clarté, pour notre bonne compréhension,
Tu énumères les différents éléments qui confèrent maintenant la qualité des citoyens. Tu as dit que Voilà. l'obtention de la carte, ça vient à la fin de la chaîne. Oui, ça Voilà. vient à la fin de la chaîne. Ce que tu fais est pédagogique. Donc, je veux que tu reprennes un peu. Il y a tel élément, après vient tel élément, pour qu'on comprenne. Voilà. Bon, tu regardes sur notre, déjà notre essai d'acte de naissance. Oui. Il n'y a pas une adresse fiscale là-dessus. D'accord. Non. Voilà. Sur notre carte d'identité, il n'y a Oui. pas d'adresse fiscale. Non. Bon, d'abord, C'est une adresse tu... de correspondance qu'on a sur notre carte d'identité. D'accord. Et avec l'adresse de correspondance, nous, on a établi tous nos documents administratifs. Alors que ce n'est D'accord. pas bon. Dans la loi, ce n'est pas bon. Ça veut D'accord. dire que nous sommes des sans-domicile fixe. On n'a Oui, pas de logement. effectivement. On n'a pas d'un endroit où on dort. Mais il n'y a pas de logement chez nous, donc. Bon, déjà, puisque tu parles de adresse fiscale, puisque tu fais un lien avec la Oui. fiscalité, ça sous-entend que d'abord, il faut être, comment on appelle, faut avoir la qualité de contribuable, faut payer les impôts d'abord. Non, non, c'est quand tu as. Non, tu payes les impôts quand tu travailles et que tu Oui. as un salaire assez conséquent ou tu Oui. as une activité, tu te rapportes de l'argent. Là, tu Oui. peux payer les impôts parce que les impôts vont venir fouiller Après, dans ton c'est business plan. l'adresse fiscale d'abord. C'est l'adresse fiscale d'abord qu'on doit mettre en place. Quand on a OK. mis l'adresse fiscale en place, on a Oui. fait tout, on a 5 documents à changer. Tous nos documents Oui. là, quand on va les changer, et même si on met le timbre à 500 francs CFA, c'est des milliards qui vont rentrer dans le compte de l'État pour pouvoir faire autre chose avec. Tout à fait. Voilà. Et donc, la première société qui va se mettre en place, qui va fonctionner, ça sera la Poste, parce qu'on devient tous procéduriers. Et quand on devient procédurier, c'est nous maintenant qui allons donner, comment on appelle, choisir nos présidents. C'est nous que nos présidents vont suivre, c'est-à-dire selon notre demande, comme ici ils le font, ils seront obligés de. La poste, la poste là, c'est le système français, c'est la poste là, c'est français, non? Voilà, mais nous on peut le transformer, on peut le transformer, on peut le garder, on peut le garder. Non, je pose la question pour savoir, c'est tout, parce que est-ce que c'est pareil en Angleterre, c'est pareil Non, c'est pas, en c'est pareil Suède? partout. La poste fonctionne pareil partout. La poste fonctionne pareil partout. Oui, ça Donc fonctionne la poste, pareil c'est partout. une institution d'État. Comment? La poste là, c'est un organe de Oui. l'État. OK. Voilà. Donc, ce qui fait que ils vont pouvoir, la poste va pouvoir, la première société dont tu vas démarrer en force, ce sera la poste parce qu'ils vont prendre. Ils seront obligés d'embaucher du monde pour faire le tri des courriers parce qu'on devient tous procéduriers quand on devient citoyen. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui vont entrer en ligne de compte et ce qui fait que notre pays sera, on ne sera plus dans le rouge parce que les gens de dehors, les investisseurs, même nous-mêmes qui sommes en Europe, on va pouvoir aller investir chez nous tranquillement et il y aura une sécurité pas possible. Parce que la sécurité, c'est ce que je dis toujours, la sécurité d'un pays dépend de l'identification et de la domiciliation de tout un chacun. Voilà. Et dans ce sens-là, j'apporte l'information. Oui. Le gouvernement ivoirien a engagé la procédure. Il y a des agents qui vont. Il y a une numérotation des maisons. Bon, un genre de petit recensement, quoi. Voilà ce qu'il Pour faut faire. Voilà pouvoir ce faire la qu'il faut faire. localisation, ils vont, ils attribuent. D'abord, on donne une identification. Oui. Bon, sur un nom, un truc, à chaque rue, ils sont en train de faire ça. Maintenant, sur chaque rue, les différentes habitations qui sont là, on les identifie par des numéros. Ils ont commencé à faire ce travail-là. OK. Mais est-ce que, Bon, bon, parce moi, que longtemps, je ne suis ils ont pas encore commencé. parti à Abidjan pour aller Hein? voir. Donc, si je vais que Il y je a vois, longtemps, oui, voilà, c'est ça. Depuis le temps il y a longtemps qu'à Abidjan, c'est-à-dire, j'ai vu pardon, je ne ça te coupe pas. au Pardon, journal excuse-moi, je ne te télévisé, coupe pas. journal de 20 h du pays. OK, excuse-moi, je ne te coupe pas. Oui. Ce qui m'a fait mal, quand je suis arrivé à Abidjan pendant la guerre, je suis parti à Abidjan pour l'enterrement de ma petite sœur. Oui. Et puis, dès que je suis arrivé, je me baladais à Makouri, et puis j'ai vu, non, à Trècheville, et puis j'ai vu des militaires français qui passaient. Il y avait quelques jeunes militaires français qui sont partis de La Rochelle, hein.
Les militaires. C'est en quelle année, s'il te plaît? En quelle année, s'il te plaît? En quelle année, s'il te plaît? C'était en 2012. D'accord. Voilà. Et j'ai croisé des jeunes militaires français. Oui. Qui étaient, que j'ai vu ici, j'ai accompagné même dans la médiation ici à La Rochelle, qui m'ont vu là-bas, ils ont crié mon nom. J'ai dit, mais qui m'appelle encore là? Quel blanc tu me connais ici? Je me retourne, c'est les gamins là. Ils avaient un plan dans leurs mains. Et Abidjan, j'ai dit, il y a c'est numéroté partout, il y a les noms des rues, il y a tout ça. C'est sur la carte que eux-mêmes ils tenaient ces jeunes militaires-là. Oui. Là, il dit, mais comment vous vous déplacez ici, là? Il dit, mais on a la carte. Regarde, Marcel, voilà la carte. Il dit, ah bon? Donc, tout ça, là, c'est Abidjan. Et puis, il y a des noms des rues, il y a des numéros. Ils ont cartographié la Côte d'Ivoire en entier. Ben oui. Ils ont cartographié la Côte d'Ivoire, tous les villages. Tous les villages, tout ça là, il y a des noms des rues, il y a tout. Mais c'est Ivoirien Naloma là qui n'a pas ça, lui-même, dans son propre pays. Moi-même, j'étais dégoûté, j'ai dit, mais attends, c'est quoi ce truc-là? Donc voilà comment on doit fonctionner. La première des choses qu'on doit faire, c'est ça. Même quand je discute avec les autorités ici à La Rochelle et je leur parle de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, ils me disent, voilà la première des choses que vous devez faire. Vous devez rentrer dans ce système-là. Vous rentrez dans ce système-là, la France ne peut plus rien faire. Il faut qu'on se lève pour demander notre citoyenneté réelle. On le demande, on est tranquille. On va pouvoir avancer, mais la tête haute. Mais on ne peut pas avancer dans ce brouhaha-là. Mais avec des chefs d'État qui sont des sous-préfets, des sous-fifs, des palais, on peut pas. Des Saint-Pierre, des n'importe quoi, et qui n'ont pas dans leur tête, qui n'ont pas dans leur plan. Le bonheur du citoyen ivoirien d'abord, non. Mais qui est dans leur tête, leur plan, le bonheur des investisseurs étrangers, le bonheur de ces camarades qui les ont mis au pouvoir, eh ben, on va aller où avec ça? On ne peut pas aller loin. Donc, il faut que l'Afrique se lève un beau matin pour brandir sa carte, pour dire, voilà, aujourd'hui, moi, je demande à être citoyen de chez moi. Nos présidents vont se lever pour aller demander aussi la citoyenneté africaine. Il faut qu'on leur donne ça. France même a demandé, on lui a donné. L'Angleterre, tout ça, ils ont demandé, on leur a donné. Mais qui? Pourquoi nous, on peut donne pas... ça, vous faites? C'est qui donne ça, c'est qui? Ça, ils ont fait la demande en Italie, c'est auprès de... Attends, je vais t'envoyer ça en message. Parce que moi, je suis surpris de voir qu'il y a quelqu'un dans le monde là, lui, là, si la pile, c'est à lui, on doit... Ah, ben c'est ça. Mais moi, j'ai lu, j'ai dit, mais attends, comment eux, ils sont allés demander à Maastricht, oui, c'est quoi, un truc comme ça. C'est là-bas qu'ils ont demandé leur citoyenneté. Puis... Ça, oui. Je veux bien savoir, c'est qui? Quel est cet individu-là? C'est ça. Ici. C'est ça. Moi-même, j'ai discuté avec ma femme ici. J'ai dit, mais attends, il y a quelqu'un qui est assis là, et puis on s'en va lui demander. Elle me dit, oui, effectivement, la France a demandé la citoyenneté, et puis elle a eu. Donc, mais nous, quelle citoyenneté? Bon, la France a demandé quelle citoyenneté? Parce que dans notre langage courant, il y a citoyenneté américaine, citoyenneté ivoirienne. Donc la France. Non, on n'est pas. Oui, écoute, aujourd'hui, moi je vais te donner un exemple. Quand on ne peut pas demander. Il faut un président qui doit diriger notre pays, certes. Aujourd'hui, quand un président africain décède chez nous, on ne dit pas qu'il a. Il a présidé à la tête de tel pays, on dit il a gouverné. Donc on est encore avec des gouverneurs. On n'est pas encore avec des présidents. Parce que le président fonctionne avec des citoyens. Il ne fonctionne pas avec des non-citoyens. C'est ce qu'on doit comprendre, en fait. Moi, on ne comprend pas. On n'arrive pas à se gérer ce truc-là. On n'arrive pas. On ne va pas ça se battre. Avec des gens comme nous, ça va se faire parce que le sujet de la vidéo, justement, c'est tout ça. Ça fait partie du moins, ce que tu dis, ça fait partie du sujet de la vidéo parce que j'ai dit au départ que tout politicien ou tout religieux, parce que ceux-là aussi, il ne faut pas les oublier, qui ne peuvent pas défendre la vérité et la justice, on ne doit même pas même les mentionner ou bien s'occuper d'eux. On doit les mettre dans la poubelle. C'est où clair. On arrive aujourd'hui là. Les populations là, si les églises et les mosquées sont remplies, c'est pas rempli de moutons, c'est rempli d'êtres humains. Ça. Et si ces gens-là qui sont à la tête de ces églises et de ces mosquées-là ne sont pas capables de dire aux gouvernants la vérité, que le peuple
le peuple souffre. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas bien. Telle décision est injuste et que tous les imams et puis tous les prêtres ou bien les pasteurs ou bien quoi du pays montent au créneau pour dénoncer ça dans leur serment. S'ils ne sont pas capables de faire ça, mais qu'ils aillent se faire voir en enfer. Mais c'est clair. Qu'ils aillent mais c'est pas des se gens faire qui voir lisent. En enfer. C'est pas des gens qui lisent. Ils lisent comment pas. Comment ça, ce pas des gens qui lisent? Alors, ils sont bien informés. Ils le font exprès parce que c'est les premiers qui s'en vont s'asseoir quand le gouvernement, par exemple, le chef d'État appelle le cardinal, hein, appelle l'imam de temps. Quand il les appelle, là, c'est les premiers, ils sont devant la maison du gars. Ouais. Tu vois, non? Ouais. C'est les premiers qui sont venus, et puis ils viennent s'asseoir là, dans le bureau du. Vraiment, le monde à l'envers. Ils viennent s'asseoir là, et lui, là, il leur dit: ah non, je ne suis pas content de ce que vous avez dit de ça, je ne suis pas d'accord. Et puis eux, maintenant, qui sont les autorités d'après eux, qui représentent Dieu sur terre, c'est eux qui ferment leur gueule devant des petits pecnos comme ça. C'est ça. C'est ça. Mais vous. On ne peut pas. Même là, tu as parlé de. Excuse-moi de te couper, tu as parlé de l'autre monnaie, la monnaie, le franc CFA. Mais le franc CFA, on ne va jamais pouvoir l'avoir, le franc CFA, tant que nos présidents même ne font pas cette démarche-là pour qu'on devienne vraiment, vraiment des électeurs potentiels pour eux. Le franc CFA, ça va être difficile, hein? Non. Moi maintenant, aujourd'hui, ma vision est différente. D'accord. Ça sera même pas. J'ai dit, ça se fera comme ça. Tout dépend de nous, la population, nous. Il faut qu'on si on lève. Accepte. Il faut qu'on se voilà. Lève. C'est tout. C'est tout. Sans violence. Tu sais, je vais te dire une sans chose. Hein. Quand les policiers se lèvent, ce qu'ils ont fait à Sonko, ce qu'ils ont fait à Sonko, c'était avec des plumes, c'était avec des caresses. Non. Et c'est qui a fait ça? C'est les forces de l'ordre, non? Oui, oui. Mais les responsables, c'est pas les... Les vrais responsables, ce n'est pas les petits gars qui courent dans la rue qui sont venus attraper son corps. C'est ceux qui ont donné les ordres. C'est ça. Et ceux qui ont donné les ordres, ils ont une identité. Ben oui. Ils ont un nom, ils ont un visage. Ben ils ont des familles aussi. Ils ont des enfants comme tout le monde. Parce que les enfants de son corps, le gars qui a donné l'ordre d'aller faire mal à son corps, il a des enfants aussi. Ben oui. Ok, d'accord. Donc, c'est nous maintenant, parce qu'il y en a marre de voir ces gens-là. Comme s'ils ont un blanc seigneur, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent aux gens. Et eux, maintenant, ils sont en boîte de nuit avec nous. Leurs enfants sont dans les pays, machin truc, en train de danser, s'amuser, avoir la belle vie. Et ils ne sont pas inquiétés. Et eux, maintenant, quand ils veulent, ils peuvent outrepasser les lois. Et puis, maintenant, s'attaquer à des gens et attenter à leur vie. Ah, quoi. C'est-à-dire, pour rebondir un peu sur. Ça va cesser. Pour rebondir un peu sur l'action sans violence. Qu'est-ce que moi je peux dire? J'ai dit, bon, quand on dit sans violence, c'est bien, c'est une bonne intention. Oui. Ça, c'est l'idéal. Oui. Voilà, je pense c'est ça l'idéal. Comme ça. Voilà, comme ça. Mais maintenant, selon moi, dans l'action politique, parce qu'on est en politique, c'est pour changer un ordre. Donc, on est en politique. On veut changer un système. Dans l'action politique, là, il y a le réalisme. Tout c'est pays là qu'on voit, comme tu le dis, où il y a la citoyenneté et tant, on rentre dans leur histoire, ils ont fait leur révolution. Si tu vois un seul de ces pays là qui a fait sa révolution sans violence, ah ben il y en a pas, voilà. même l'émancipation des femmes, pourquoi nous Africains, on doit faire sans violence, donc on doit faire ça gentiment, pourquoi nous on doit faire ça? Qu'est-ce que moi je comprends, c'est une façon aussi de dire les choses. Voilà, le point central, c'est pas le désir de faire la vie, non, c'est l'objectif, c'est ça, il faut atteindre son objectif, c'est tout. Même l'armée, le principe de l'armée, c'est la violence. Ben oui. Mais au service de quoi? C'est ça qui compte. C'est ça. C'est-à-dire, c'est une violence structurée avec une mission précise. C'est ça. Voilà. Vouloir dire que non, nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas être pacifiste. On ne veut pas de la violence. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que même ceux qui sont accrochés au livre saint, là, c'est des dieux violents qui sont là-bas. L'éternel des armées. C'était pour l'éternel de la paix et de l'harmonie, pourquoi j'appelle l'éternel des armées? Mahomet même a fait la guerre. Donc, pour moi, c'est pas ça le plus important.
Ce n'est pas l'usage de la violence. Non, non, non. C'est la structuration de l'action. C'est Là où il ça. faut taper, on tape. Mais il faut que ça ait un but. Il faut une démarche, c'est tout. Voilà. Sinon, il n'y aurait même pas d'armée. Voilà. Voilà. Il faut une démarche. C'est-à-dire, d'abord, il faut sensibiliser les masses. Voilà pourquoi le combat, il doit être constant. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, je dis toujours que la vraie liberté, là, elle coûte cher. Ah, c'est clair. Une liberté qui Après, n'a pas de prix. elle ne se quémande pas. Voilà, une liberté trop facile, faut être sûr que ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable. La vraie liberté qui t'offre une vraie autonomie de manœuvre, une vraie autonomie, elle a un prix. C'est clair. La preuve, même de façon courante là. Quand tu vas aller dans les spectacles gratuits, mais tout ce qui est gratuit là, la qualité est en baisse. Parce que ça ne te donne aucun droit, la gratuité, là. Il y a C'est les lois de ça. la vie. C'est vrai en plus. Pour avoir C'est vrai ce que quelque tu dis. chose, il En faut tout cas, payer le bravo, c'est prix. vrai ce que tu dis. Pour avoir quelque chose, il faut... Bon, moi, j'ai l'impression que, pour le moment, on n'est pas encore totalement conscient de ça. Non. On est dans la revendication, dans l'indignation. Ça, C'est c'est une ça. première étape. On nous Ouais. fait ça, on nous domine depuis des années. C'est une première étape. Mais après, là, il faut passer maintenant à une action. Il faut programmer un mode d'action. C'est C'est là où il ça. faut faire comprendre aux gens que non. Même à l'église, là, ta délivrance, là, il y a un prix. On va te dire qu'il faut jeûner. C'est On ça. va te dire que tes démons, là, c'est familial, c'est des pactes familiaux. Il faut faire 21. Mais il y a un prix à payer. Toujours. Il y a un prix. Il y a des D'abord, il y a sacrifices. Il y a l'éveil. des Il y a sacrifices à faire. l'éveil. Voilà, il y a l'éveil qui nous fait comprendre notre condition. C'est Parce que ça. là, même là, c'est le même. Comprendre sa condition, même là, ça met des années. Ah ben Moi, oui. je suis. C'est à 40 ans passés. Que j'ai compris que c'est la femme qui nous tient en captivité. Il a fallu les événements de la guerre là pour qu'on sache que non, même on n'est même pas indépendant. Moi, je n'ai pas compris vite. Mais on n'est pas indépendant. C'est ce que je Pour être indépendant, il faut qu'on sorte de là. Voilà. Donc, il faut payer le prix. Et là, c'est le prix que le Mali est en train de payer. C'est-à-dire, on est content de Goïta là. Mais par moment, on oublie que combien de morts, d'attaques djihadistes. Qui ont fatigué jusqu'à ce que Goïta, qui est sur le terrain, dit que non, Ça ça peut peut pas pas continuer. Il faut que continuer. moi je prenne le Non, pouvoir. non. Si on veut compter sur les politiciens là, ils vont toujours faire des arrangements. Ils se C'est sont ça. réunis, ils ont mis leur vie en péril. Il faut qu'on prenne le pouvoir C'est parce ça. qu'on se joue de nous. On se joue Ben de nous. On veut libérer le pays. On dit attendez, notre propre pays, on peut pas aller à Kita. Donc, ils ont payé un prix. Ils sont fatigués. Et oui. puis en Quand plus, ils se sont levés là, toute la fin du le mois. colon dit, on fait embargo. Le colon dit, on fait embargo sur les armes. Vous pouvez pas acheter Voilà. les armes. Voilà. Défendez-vous contre des gens qui ont plus Voilà. d'armes que vous. Mais ça va pas à la tête. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, on peut s'asseoir et puis faire les choses de telle sorte qu'il y ait moins de dégâts. On C'est peut le ça. faire. Mais dire que on va faire un truc sans grabuge, moi Non, je ne crois pas. Donnez-moi là, c'est... l'exemple d'un Là, seul pays, c'est... un Ouais, seul t'as pays raison, t'as raison. qui s'est réformé sans dégâts. Je ne Ouais. connais pas. Aux États-Unis, il y a eu guerre de sécession. En Ben France, oui, hein. on fait tomber la royauté, il y a eu révolution. Tous les pays d'aujourd'hui, là, Mao, il a fait la révolution. La Russie, les Tsars sont tombés par révolution. L'Iran, même là, a fait sa révolution avec l'Ayatollah Khomeini. Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas la violence, mais c'est l'organisation, la structuration de l'action. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Au Vietnam, ils ont fait chuter le géant américain Dien Bien Phu. Mais il y a quelqu'un, un professeur d'histoire, le général Diap, il n'est même pas militaire, il a conçu la stratégie. Il a réveillé la fibre patriotique. Ils ont chassé les Américains du Vietnam. Oui. Donc, c'est là, comme tu le dis, il faut être d'abord conscient. C'est ça. Ça, c'est un premier étape. Parce qu'on peut ne pas être conscient qu'on est enchaîné. Il faut d'abord être Bah conscient. oui. Ben, Des gens qui c'est sont ça. là, On n'est pas ils regardent les conscient. séries brésiliennes, ils regardent les séries brésiliennes, ils regardent les Et influenceurs, ils ne sont pas conscients. Ils sont sur les réseaux sociaux. Il est content, il regarde Apoutou, il ne sait pas que son pays est captif. Donc, là, DJ congélateur, DJ voilà. congélateur, Voilà. Emma Loès a fait ça, tata tata a fait Voilà. ça, ou Ouais, bien voilà. tata tata a porté tes chaussures, l'autre Voilà. a Il n'est acheté tes pas sacs, conscient. elle a besoin de restaurant. C'est ça. Il n'est pas conscient que les années qu'il perd comme ça dans l'inaction, il sacrifie sa progéniture. C'est-à-dire, lui, il ça. a 25 ans, hein, mais il ne sait pas que. Il valide un système dans lequel son enfant même va rester, peut-être même va vivre des conditions plus difficiles que lui. D'abord, il faut la conscience. C'est ça. Ensuite, si on est conscient, C'est ça. il faut maintenant penser stratégie. C'est ça. Faut comment on va s'y prendre. C'est ça. Ouais.
J'ai toujours on dit peut que pas, dans on les peut pas, relations on peut pas, on peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. On peut pas donner. Oui, les... oui, oui, c'est oui. Ça. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Ensuite, on allait donner des points, tous des points. Voilà. Et puis les gens, ils vont s'accaparer de ça, ils vont façonner ça. Voilà. Je ne crois pas dévoiler des secrets. Je ne crois pas dévoiler des secrets parce que ce que j'ai dit là, c'est presque une évidence. Je comprends. Voilà. Non, bon, j'ai eu une idée dans la tête quand tu as fini. Voilà. Au moment où voilà. tu parlais, j'avais l'idée dans la tête qui venait. Voilà. Mais bon, j'ai préféré. Et puis tu as retenu l'idée. Par sagesse, tu as retenu. Et puis ensuite, il faut passer à un stade où il va falloir être organisé et solidaire comme des abeilles. Si on atteint ce stade, ce n'est plus loin. Ouais. Ouais. Sans te couper. Oui, vas-y, j'ai fini. Voilà. Vas-y. J'ai dit que j'ai travaillé en tant que médiateur social ici, pendant 10 ans. Donc, je sais un peu comment ça fonctionne, comment on peut mettre ce genre de choses en place pour que chacun de nous ait quand même une adresse fixe pour contrôler un peu nos élections là-bas. Voilà. C'est de créer dans chaque quartier prendre une grosse maison. Une permanence, voilà. Fais une permanence. Et cette permanence-là, il va falloir mettre un nom, un numéro et un nom de rue sur cette permanence-là. Et toutes les personnes qui vont aller, qui vont entrer là-bas pour prendre l'adresse là-bas et établir leur document, vont rentrer dans le cadre de la citoyenneté. Et ce qui va faire que nos élections vont être un peu transparentes. C'est vrai. Donc, si on se met à faire ça, tu vas voir que il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que la citoyenneté... Il nous reste une minute. Oh ouais, la citoyenneté, c'est une éducation, en fait. Ouais, c'est un état d'esprit aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, personnellement, Abidjan, j'étais un vagabond Abidjan avant. Je suis venu en France ici. Là. Qui m'a dit de changer? C'est le système ici qui a fait que j'ai changé. Parce que ça m'a donné, ça m'a mis dans un cadre où j'étais obligé de changer. Je ne pouvais pas faire n'importe quoi ici. Dès l'instant où je suis rentré, aller prendre mon adresse pour établir mes documents, ça m'a figé tout de suite. Je rentre à la maison, j'ai réfléchi et dit, putain, ici, là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit de changer. J'ai constaté. J'ai vu comment ça fonctionne. Le simple fait même qu'on m'a donné une adresse fiscale pour établir mes documents, ça m'a tout de suite fait réfléchir. T'as responsabilisé. C'est ça. Voilà. Il faut responsabiliser chaque Africain. C'est ça. C'est ça. Ah ben d'accord, merci. Comme il reste 5 minutes, merci. Chacun a donné un mot de clôture. Une minute de clôture pour chacun. Voilà. Tu as fini. Non, c'est bon, moi j'ai fini pour moi. Ah, tu as fini, ok, d'accord. Zoku. Oui, moi je voudrais dire que soyons persévérants, c'est tout. Soyons persévérants. Ouais. C'est la constance dans le combat, voilà. Et il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ça soit facile. C'est voilà, parce que tous ces pays-là, qu'aujourd'hui on cite en exemple pour avoir pu se faire leur mu et puis tenir tête à l'Occident, parce que en fait c'est comme ça que ça se présente, hein. C'est l'Occident qui veut imposer sa suprématie et à certains pays qui sont arrivés à tenir tête à contredire cette suprématie là. Voilà. Ouais. C'est un long parcours, il faut être persévérant. Bravo à Sirifix, il fait sa part, il sensibilise. En tout merci cas, au frère. Moi, je le suis tout le temps. Mais voilà. Aujourd'hui, j'ai demandé à parler un peu encore. Donc... Oui, non, c'est bon. Merci au frère, je ne sais pas quel est le nom du frère. Mon nom, c'est Marcel. Marcel, voilà. Bon, peut-être qu'un jour, on va aller en inbox, que tu m'éclaires davantage sur les zones. Vraiment, non, bravo pour tout le monde. Continuons, c'est la persévérance. Je vais t'éclairer. Mais essaye de faire des recherches. Tu vas voir, j'ai raison. Voilà. Voilà, merci. Moi, voilà ce que je pouvais dire. Donc, bois aussi à toi le mot de fin. Ouais. Ok, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé
en cliquant sur les cœurs, les likes, les j'aime et tout ça. Là, vraiment, merci d'avoir sécurisé cette vidéo. Hein. On l'a commencé, on a pu la finir. La dernière fois, j'ai fait une vidéo que j'ai commencé, j'ai pas pu la finir parce que les gens, signaler la vidéo et ça a coupé. D'accord. Si vous vous souvenez d'une vidéo qui n'a pas pu se finir parce que les gens ont coupé. Mais cette fois-ci, là, c'est bien passé. 15 minutes, là. Oui, exactement. Elle a été coupée. Et maintenant, je voudrais condamner encore, et ça, j'appelle encore, n'oublions pas notre affaire de Sonko. Nous sommes obligés de soutenir notre frère Sonko au Sénégal. D'accord. Nous sommes obligés de soutenir la population sénégalaise qui ne veut pas de troisième mandat et qui ne veut pas de dictature chez eux, et qui ne veut pas qu'on s'attaque à leur leader politique pour essayer de les assassiner. Okay. Moi, je vais mettre sur ma page la photo de Sonko en photo de profil. Oui. Je vous invite à faire la même chose en solidarité à nos frères. On va faire la même chose. Sénégalais. Y a pas de souci. Allez, voilà. Et vraiment, je voudrais dire à mes frères du Sénégal, on est avec vous. Sincèrement, nos pensées les plus positives sont avec vous. Nous vous soutenons à fond, et on condamne le gouvernement de Macky Sall, on condamne ces assassins des forces de l'ordre là qui ont tenté à la vie de Ousmane Sonko. Mais je demande aux Sénégalais de faire très attention, de répertorier tous ces chefs de police et de gendarmerie qui donnent des ordres contre nature, contre le peuple sénégalais. Notez bien leur nom, leur photo, capturez tout, parce que demain ces gens-là seront traînés devant la justice pour tentative de meurtre ou bien pour assassinat. On ne va plus laisser nos gens se faire tuer comme des poulets, comme ça, n'importe comment, parce que des gens ne sont pas d'accord, simplement de façon idéologique. Ça, là, ça ne doit plus exister. Et c'est le peuple qui doit décider ça. Ce n'est pas les gens qui vont décider ça pour vous. Donc, à bon entendeur, salut. Salut. Allez. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Allez, au revoir.